La taille de notre univers est si inconcevablement grande que nous n'avons pas les moyens de la connaître. Et sa densité ne dépasse pas quelques atomes par mètre cube. Vertigineux, quoi. Et donc avec ça, comment voulez-vous que je sache d'où je viens ? En effet, j'ai été déposé étant petit à Port-Lissard par des parents que je n'ai jamais vus, fuyant une race alien d'après les indices que j'ai pu glaner. Et j'y ai passé toute mon enfance à PO, en observant, en écoutant durant toute ma jeunesse, les histoires rapportées du confin du système par les pilotes courageux, les mercenaires, et parfois même par des pirates. Alors évidemment, mon seul but a toujours été de quitter cette station, pour enfin découvrir tout cela, et aussi pour gagner ma croûte, pour aller bouffer autre chose que des bénis, et en âge de voler, ce pilote qui m'a plus ou moins élevé et pris sous son aile entre deux missions, m'a fait la surprise de me dépanner un vieil Aurora. C'était son dernier geste, il est ensuite parti en mission, mais personne ne l'a jamais revu. Aux commandes de cet Aurora, je me souviens très bien avoir été presque déçu, puisqu'en ce temps-là, ce que j'appellerais la matrice du système Centon était verrouillée, piratée, une espèce de siège en quelque sorte, limitant notre rayon d'action. Et il paraît que nous en avons encore pour 2 ou 3 ans. Mais j'ai déjà de quoi au moins voir autre chose que l'intérieur d'un hangar. Et très vite, le système a commencé à être débloqué. Une mise à jour de la matrice m'a permis enfin de poser le pied sur un astre, et je me souviens ému des premières traces de bottes laissées sur des mares, et de mes premiers colis livrés aussi avec mon Aurora. Très vite, je suis passé à autre chose, et j'ai pu me faire livrer un Avenger tout neuf. Les possibilités de travail ont été décuplées du jour au lendemain, et aujourd'hui mon hangar s'agrandit. Avec donc mon Titan, un Cutlass et un petit buggy, les affaires marchent pas mal, et mes balades m'ont permis de faire de nombreuses rencontres. Et la première rencontre, ben c'était celle d'un pirate, le genre mystérieux qui parle peu, qui te fait disparaître la cargaison d'un freelancer sans même avoir aperçu son ombre. Pour le trouver c'est facile, toujours perché en haut d'un pic sur Delamar celui-là. Je lui ai même sauvé la mise une fois. J'ai aussi croisé le chemin de citoyens bossant dans des corporations, me racontant eux aussi leurs aventures, heureuses ou malheureuses. Oui, car la vie dans l'espace n'est pas simple. Ils font un sacré moral pour y survivre. Car en plus de croiser certains malfrats la faisant à l'envers, la matrice du système ne te permet pas vraiment de faire carrière pour le moment. Mise à jour régulièrement pour nous libérer de cet état de siège, celle-ci nous renvoie à chaque fois dans un état civil de base, et c'est le prix à payer pour que nous soyons un jour totalement libres. Salut à tous citoyens, moi c'est Vim, et on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures dans l'univers de Star Citizen. Fin de transmission.